On va continuer donc au studio Rock Moderne pour un unboxing, mais enfin ça je l'ai déjà fait puisqu'il fallait recevoir la quatrième saison de chez Mondo que j'ai reçu il y a un certain temps pour y joindre les trois premières saisons, donc saisons de la série télévisée, donc Westworld, vous la qualifierez de science-fiction, de fantastique. Voilà, donc il s'agit d'un monde évidemment virtuel qui démarre dans le Far West et qui finit pendant la première saison et qui finit lors de la quatrième et dernière saison, donc également dans le Far West en passant par les extraterrestres. Donc ce sont des mondes virtuels dans lesquels les participants peuvent s'exercer notamment à tuer, à tuer donc des acteurs célèbres. Déguisé en cow-boy, donc voilà. Enfin, je ne vais pas vous spolier, pardon, la série. Ah, donc Westworld. Alors, je vous ai déjà présenté les trois premiers volets dans mes trois précédentes vidéos, et en vous ayant précisé que la deuxième saison n'était disponible qu'aux États-Unis, donc c'était un peu galère pour moi pour vous le présenter. Alors l'avantage, évidemment, c'est Ramin Djawadi, celui qui a fait la musique, composé la musique de Game of Thrones, et vraiment, ce sont des bandes originales, les quatre, qui sont fabuleux. J'ai tout écouté. Vous avez trois disques par vinyle par saison, et vraiment, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça se colle, ça se recolle là. Voilà. C'est pas grave. Parce que je pense que les disques sont trop gros. Donc voilà. Donc voilà, vous avez donc les trois saisons. Alors je vais vous les montrer de façon un petit peu plus parfaite. Avec donc ils vous vendent la dernière saison, Mando, avec cette petite leaflet. Et donc à l'intérieur, j'ai essayé d'y mettre les étiquettes en fait. Que Mondo distribue pour les douanes, etc. Et puis aussi sur le carton, où il y a la date de fabrication, etc., toutes les références, pour arriver à coller le plastique sur cette couverture. Voilà, donc, vous voyez ici, donc, pour arriver à ce que le plastique soit bien collé, parce que la box est un petit peu fragile. Voilà. Donc, vous avez quand même 3 x 4, 12, 12 disques. Voilà. Alors, bon, on va le mettre ici. Et donc, je vais vous montrer quand même dans le détail la 4. Et puisque déjà la 1, la 2, la 3, je vous les avais déjà présentées. Alors, sur la 1, l'avantage, c'est que Ramin Djawadi donc, a composé un score qui colle très bien, qui colle très bien donc, au film. Mais également, il réinterprète, il revisite, Ouais, il fait une réorchestration donc de groupes qui sont vraiment extraordinairement bien adaptés. Vraiment, j'ai trouvé, on a surtout sur la dernière saison que je viens d'écouter, vraiment, vraiment fabuleux. Alors, on a par exemple du Radiohead sur le premier, du Soundgarden, du Rolling Stones, The Cure, The Animals. Nine Inch Nails, vous voyez, c'est assez varié au point de vue de période. Amy Winehouse, pardon. C'est pas la White House, c'est Winehouse. J'ai déparlé. Voilà. Donc là, je les ai déjà montrés. Je vais pas vous les remontrer une nouvelle fois. Ensuite, sur la saison 2, donc qui est disponible malheureusement qu'aux States. Celle-ci, donc sur la saison 2, on a arrangement, voilà, ils disent composition de Ramin Djawadi et des arrangements de chansons. Les artistes revisités sont Kanye West, The White Stripes, Wu-Tang Clan, Nirvana, Radiohead, The Rolling Stones et Scott Joplin. Voilà. Et alors, donc ça, disponible qu'aux États-Unis. C'est un peu idiot parce que les Européens sont privés de la box, quoi, finalement, complète. Alors, la saison 3, alors ça, tout ça, c'est sorti en 2016 et 2022, hein, les séries de Westworld.
Donc la 2, la première était sortie en 2016, celle-ci en 2018. Et là, donc la 3, qui est disponible pour l'Europe chez Mondo, hein, la saison 3 était sortie en 2020 avec les titres de Guns N' Roses, Massive Attack, Moses Sumney, Björk. Alors le Björk, je vous le conseille. Oh, fabuleux. Rien que pour ça, achetez ce troisième volet. Voilà, David Bowie, The Weeknd aussi, Space Oddity, voilà, Pink Floyd, ainsi que le thème principal, voilà, du film The Shining, pardon, composé par Wendy Carlos et Rachel Elkind, inspiré, voilà, etc. Inspiré du cinquième mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, ça je ne savais pas. Donc The Shining, voilà, vous savez, c'est pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Enfin, je vais vous passer quand même là. Je vais pas vous chanter tout l'air de Shining, mais pour vous dire que j'ai fait mes devoirs. Voilà, donc, ouais, excellent tout ça. Et bien, ça ajoute un petit peu. Alors, celui-ci, évidemment, le 4, le 4, le 4, il est là. Je vais vous le présenter. Parce que je l'ai reçu, je l'ai écouté, et vraiment, toujours le système die-cut. Voilà, le système die-cut. Hop, ici, hop, 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 hop. Et avec trois disques. Alors, c'est un trifold. Alors, on revient au Far West, d'où le packaging et puis l'artwork. Voilà, évidemment. Voilà. Donc, à un moment donné, vous pouvez, bah, je voulais pas vous le dire, mais vous pouvez tuer Yul Brynner. Je crois que c'est dans la saison, hein, une, il me semble. Hein. Mais j'ai pas les chaînes pour revoir cette saison. Donc, j'avais vu que quelques épisodes. La fameuse mouche aussi, ah, qui reprend bien tout ça. Et alors, avec de très beaux disques. Voilà. Ils appellent ça comment? C'est l'édition Artwork par Greg Rust. Voilà, je pense qu'ils sont passés. Ils ont quitté Mondo, ceux-là. Je pense. Et là, on a donc le. Hop, 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 il n'y a rien d'autre dedans. Vous voyez comme ils sont beaux. Regardez ça, c'est absolument fabuleux. C'est du noir de fumée translucide. C'est vraiment très, 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 très beau. Et alors, j'ai pas eu de problème de pressage, hein. C'est vraiment, vraiment très 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 bien pressé. Je pense pas que ce soit du GZ Media, mais bon, sait-on jamais. Et le troisième volet, donc hop, 8 minutes, bon, on avait le temps, hein. J'aurais pu tout vous remontrer, mais bon. Après, je vous invite à revoir mes précédentes vidéos sur les BO, parce que j'allais pas vous remontrer encore tous ces trois disques. Voilà, donc. Que je pouvais vous dire donc la quatrième saison hein, c'est ça 2022 alors label Water Tower Music hein, c'est sous licence et on a donc les arrangements des chansons de Lana Del Rey de Billie Eilish de Metallica de Frank Ocean et Lou Reed aussi Pyramid Song et Radiohead. Voilà, donc on a pas mal de choses hein, quand même. Rien que pour ces réorchestrations, parce que ça vous fait quand même 5, 6 multiplié par 4, 6 fois 4, 24, ça vous fait à peu près 25 titres de chansons quand même d'excellents groupes qui sont réorchestrés. Ça c'est intéressant, surtout le morceau de Björk. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous le passer, mais bon après si on est censuré, voilà. Ça m'est arrivé. Parce que je vous passe des vidéos. Oui, alors une petite parenthèse, puisqu'on a un petit peu de temps. Sur les vidéos que je passe en ce moment, ce sont des enregistrements à partir de disques vinyles ou de CD qui sont assez rares, difficiles à trouver, mais plutôt de disques vinyles que j'ai enregistrés sur de mes vinyles sur CD et CD sur ordinateur. Et donc, ce sont donc des sources analogiques à la base. Et il y a même des remixes que j'ai fait. À partir de mini cassettes métal TDK, vous savez les fameuses mini cassettes, et après que j'ai enregistré sur
que j'ai numérisées. Voilà, et je les avais faites en 83, 89, etc. Je m'étais amusé à faire certaines versions qui sont des versions exclusives. Voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et il y en a une que je vais mettre en ligne et qui m'avait été censurée pendant un certain temps. Déjà, il y a quelques années, elle m'avait été refusée par YouTube et là, je suis reparti à la charge. Ça m'a été refusé et finalement, du moment que je ne la monétise pas, ils ont changé. Peut-être qu'ils l'ont écouté, je ne sais pas, ce remix de 7 minutes que j'ai fait. Et bien, finalement, ça m'a été accordé. La diffusion m'a été accordée, donc ce sera la prochaine vidéo. Voilà, donc sur Westworld, donc saison, donc on démarre dans le fantastique, dans le virtuel. Voilà. Dans un parc d'attractions virtuelles, donc on démarre dans le Far West, on finit dans le Far West, on passe par des extraterrestres, on part du fantastique à la science-fiction, voilà. Et la bande originale colle bien à l'action. Il y a une certaine évolution, hein. J'ai trouvé une différence entre la saison 2, entre la saison 2 et 3, à partir, voilà, c'est à partir de là. Il y a une petite différence donc de BO, mais toujours Ramin Djawadi. Et c'est bien d'avoir à alterner comme ça ces reprises de chansons. Voilà. Donc, vous pouvez toujours acquérir les trois saisons. Donc, saison 1, saison 3, saison 4. Et la quatrième avec la box. Il y a un petit supplément de 10 euros. Vous voyez, ça vaut le coup quand même. C'est une box. Et essayez de coller, de garder le plastique parce que sinon la box va entièrement s'éclater, enfin c'est une catastrophe. Et si ça s'ouvre là, si vous enlevez le plastique là, elle va s'ouvrir et après ça va faire ça va complètement s'avachir. Donc voilà, donc je vous conseille de garder ça. Évidemment, moi j'ai obtenu le, je vous l'avais déjà expliqué en vidéo, j'ai obtenu le deuxième volet de la série. Je l'ai obtenu par ma boîte postale aux États-Unis et finalement grâce à ça on ne paye pas de droits de douane parce qu'à chaque fois il y a des droits de douane d'au moins une vingtaine d'euros mais par contre le port est plus cher, mais l'un dans l'autre, on doit payer à peu près le double de frais de port que de chez Mondo. Et au lieu de payer 20 euros, vous avez payé 40-50 euros de frais de port, mais vous n'aurez pas le droit de douane. Donc finalement c'est assez intéressant. Voilà. Donc je vous la conseille quand même cette box, parce que c'est vraiment des œuvres d'art. Et alors évidemment, ça revient à un certain prix, parce que vous allez multiplier 60 euros, multiplier avec les frais de port, c'est en vente quand même entre 40 et ça en vente sur le site Mondo à 50 euros. Donc plus les frais de port, plus la douane, vous avez payé 70 euros, donc multiplié par 4. Donc vous voyez, ça, c'est une box qui revient entre 250 et 300 euros, tout compris. Mais vous avez quand même 12 disques, et puis vraiment excellent. Moi j'ai préféré à Game of Thrones, franchement je me suis régalé avec ces reprises de chansons là. Je me suis régalé, pour moi c'est une de mes meilleures box de chez Mondo. Voilà, je vous en ai donné envie, mais évidemment bon, après les dépenses échelonnent parce que ils ont sorti ça en novembre, décembre, janvier, février, mars, donc j'ai dû recevoir ça fin mars, donc sur 5 mois les dépenses sont échelonnées. Et en plus, sur PayPal, vous avez peut-être la possibilité, en demandant, de payer en 4 fois sans frais, sans rien, sans intérêt ni rien. Dès que vous dépassez une 30 euros d'achat, vous pouvez payer en 4 fois. Alors évidemment, il ne faut pas abuser, parce que sinon, vous vous retrouvez en superposant des achats, et après, ça se cumule. Bon, ben, voilà. Mais si vous faites ça une dizaine de fois, bon, pour des petites sommes, pour 30, 40, 50 euros, voilà, ben, ça peut être intéressant de pouvoir étaler, justement, sur 4 mois. Donc ça vous fait 5 mois, plus encore à peu près sur 8 mois, vous êtes allé à dépense. Voilà, c'est assez sympa. Ça, c'est le petit tuyau que je vous donnais. Voilà, il y avait le temps. Il y aura une bande, pas une bande originale, il y aura une vidéo avec pas mal aussi de represses et puis de nouveautés à faire. Et puis encore sur des bandes originales de films, hein, j'arrête pas. Vous voyez, je vais même vous ouvrir le... Je vais les présenter dans une prochaine vidéo parce que j'aime pas, mais bon, puisqu'on a du temps, je vais quand même vous l'ouvrir, parce que je vais pas le faire en unboxing. Je préfère vous présenter les disques quand je les ai écoutés. Voilà, là c'était un unboxing d'Universal, donc j'avais écouté un petit peu, mais bon, après, je connaissais un petit peu la marchandise, si vous voulez. Mais là, je préfère quand même
vous montrer un peu tout ça. Donc il s'agira de demande originale, hein, que vous connaissez bien sûr tous par cœur. Voilà, il s'agit du Repress, enfin, tant attendu. Et puis, le fameux Spider-Man, puisque je l'ai présenté en VO tout à l'heure, mais il s'agit du jeu vidéo, cette fois-ci, que j'avais confondu. Voilà, du jeu vidéo, et pas mal, hein, avec John Paesano, toujours dans la franchise là, de jeux vidéo. Je crois que c'est lui qui avait fait le Spider-Man 1, que je vous avais présenté, un jeu vidéo, John Paesano. Mais je vous présenterai donc ces disques, avec la douzaine de disques Waxwork, Mondo, que j'ai reçu, que je dois vous faire. Voilà, donc vous voyez, un petit unboxing, on avait le temps, voilà, mais je n'ouvre rien, ça va être présenté ultérieurement. Voilà, avec d'autres disques de chez Waxwork, etc. Voilà, vous voyez, je ne suis pas resté inactif pendant toutes ces, j'allais dire ces vacances, de Pâques, de printemps, bien sûr. Voilà, ça fait 16 minutes. Bah, écoutez, j'ai plus rien à vous raconter et je salue donc toutes les chaînes, bien sûr. Thomas d'HM Pop One, le Vidéo Club avec Laurent, évidemment, et puis Wanted Works Dimitri, et puis aussi la nouvelle chaîne que j'ai là. Il m'a invité plusieurs fois, vous voyez, j'ai des trous de mémoire, Pinep, voilà, Pinep qui me remercie d'avoir participé à son live, j'espère que ça vous a plu aussi, voilà, et puis aussi la nouvelle chaîne Vinyl Movie World, qui a une boutique en ligne maintenant, et qui fait pas mal de vidéos, de présentations, de nouveautés, et aussi d'exclusivités, mais aussi des invités. Voilà, j'espère peut-être être invité sur cette chaîne, mais peut-être faudrait-il que je lui achète des disques pour qu'il puisse m'inviter. Voilà, ce serait pas plus mal, mais pour le moment, bon, j'achète moins quand même, j'achète moins. Voilà, oui, parce que quand même, ça commence à chiffrer tout ça. Alors, j'ai un petit peu espacé les vidéos, voilà, en vous passant des extraits de mes enregistrements vinyles, comme tout ça un petit peu. Donc je ne vais pas faire plus d'une vidéo par semaine, je pense, hein, ou tous les 15 jours. Voilà. Et puis je trouve qu'il y a un petit peu moins de choses qui m'intéressent aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, à partager, à laisser vos commentaires et à combler les lacunes. Salut!